A state of shock is not just what happens to us when something bad happens. It's what happens to us when we lose our narrative, when we lose our story, when we become disoriented. What keeps us oriented and alert and out of shock is our history. So a period of crisis like the one we're in is a very good time to think about history, to think about continuities, to think about roots. It's a good time to place ourselves in the longer human story of struggle. L'histoire a commencé le 1er juin 1951, le jour où des membres des services de renseignement occidentaux rencontrèrent en grand secret des universitaires à l'hôtel Ritz-Carlton de Montréal. Cette réunion allait lancer un programme de recherche sur la privation sensorielle à l'université McGill, programme financé par l'armée. Sensory deprivation really is a way of producing extreme monotony. It causes loss of critical capacity. The thinking is less clear. The subject complains that he can't even daydream. When you have college students that can't daydream, they're in a bad way. I began to think while we were doing our experiments that it's possible that something that involves physical discomfort or even pain might be more tolerable than simply the deprivation conditions that we studied. Ebb décida de cesser de travailler sur le programme. But I had no idea when I suggested that what a vicious weapon, potentially vicious weapon, this could be. These are the days and ours are the occasions. Mais les expériences se poursuivirent sous la direction du chef du département psychiatrie, l'ambitieux docteur Ewen Cameron. What he did was much more than what we had done. We did our work strictly with the understanding that the subject could get up and walk out at any point he wished to, and some of them did. Les patients de Cameron n'eurent pas cette chance. L'Institut Allan, qui abritait les services de Cameron, devint une prison macabre où le psychiatre se livrait à d'étranges expériences sur ses patients. Cameron voulait déstructurer ou nettoyer l'esprit de ses patients de façon à pouvoir les reconstruire à partir de zéro. Janine Huard était une jeune mère de 4 enfants et elle souffrait de dépression post-natale. I used to shiver when they told me about you're going to get a shock treatment tomorrow. I used to shiver. I was so scared of it. And I would wake up in another room, all mixed up and sad, and it used to make me very sad after. You're just like a zombie walking around. Cameron combinait électrochoc, cure de sommeil et messages enregistrés passés en boucle. It says, Janine, you are running away from your responsibility. You don't want to take care of your husband and children. All the time, the same thing. It sounds like you were being interrogated. Yes, interrogation, but for what purpose? Il ne fallut pas longtemps à la CIA pour mettre en pratique les expériences de Cameron. De nombreuses techniques du docteur figurent dans le Kubark, le manuel d'interrogatoire de l'agence. Les phrases suivantes en sont tirées. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. À l'époque où Ewen Cameron menait ses expériences à Montréal, l'adepte d'un autre type de choc exerçait ses talents pas très loin de là. Milton Friedman enseignait l'économie à l'université de Chicago. Il croyait qu'une thérapie de choc appliquée à l'économie
pousserait la société à accepter une forme plus dérégulée du capitalisme. En octobre 2008, au paroxysme de la plus grave crise financière depuis 1929, Naomi Klein se rendit à l'université de Chicago pour tenir une conférence sur Milton Friedman. When Milton Friedman turned 90, the Bush White House held a birthday party for him. And everyone made speeches, including George Bush. But there was a really good speech that was given by Donald Rumsfeld. My favorite quote in that speech from Rumsfeld is this. He said, Milton is the embodiment of the truth that ideas have consequences. What I want to argue here is that the economic chaos that we're seeing right now on Wall Street and on Main Street and in Washington stems from many factors, of course, but among them are the ideas of Milton Friedman. Le krach de Wall Street en 1929 entraîna la Grande Dépression des années 30. Au cœur de la thèse de Friedman, il y a son opposition au New Deal que le président Franklin Roosevelt décrivit dans son discours d'investiture. Our greatest primary task is to put people to work. This is no unsolvable problem if we face it wisely and courageously. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Influencé par les idées de John Keynes, Roosevelt lança un vaste programme d'emploi dans les services publics afin de résorber le chômage. Today, depression is a fading memory. Millions of men and women have found employment, and with it, confidence and hope. Ce ne fut pas si simple. La dépression dura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais après la guerre, le plan Marshall répandit en Europe le modèle keynésien de régulation et d'intervention de l'État. Les principes de Keynes étaient largement acceptés dans la société, mais pas au département d'économie de l'Université de Chicago. Milton Friedman, from this university, waged a war against the New Deal. Friedman était membre d'un petit groupe appelé la Société du Mont Pèlerin, dirigé par l'économiste autrichien Friedrich von Hayek. Ses membres affirmaient que si l'État cessait de fournir des services et cessait de réguler les marchés, l'économie se corrigerait d'elle-même. Dans les années 50, personne ne les prenait au sérieux. Mais ces 30 dernières années, leurs idées sont devenues la doctrine dominante en économie. The thesis of the shock doctrine is that we've been sold a fairy tale about how these radical policies have swept the globe. That they haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. Milton Friedman understood the utility of crisis. Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. C'est au Chili que les disciples de Friedman apprirent pour la première fois à exploiter un choc ou une crise de grande ampleur. Usually, the official storytellers of neoliberalism, the official publicists, don't even mention Chile. They start the story with Thatcher and Reagan because it's much more flattering that way. Dans les années 50 et 60, les politiques progressistes de développement mises en œuvre au Chili étaient un exemple pour tous leurs voisins. L'État investissait dans la santé, l'éducation et l'industrie. Les sociétés américaines commencèrent à s'inquiéter pour leurs investissements. La réaction du département d'État américain fut de financer les études des étudiants chiliens et sud-américains afin qu'ils puissent venir étudier l'économie de marché auprès de Milton Friedman. The University of Chicago had a joint arrangement with the Catholic University of Chile, under which a great many Chilean students came to the University of Chicago, were trained by us and received PhDs. Ces étudiants retournèrent au Chili pour y enseigner. Le département économie de l'Université catholique de Santiago devint une mini-école de Chicago. Arnold Harberger, l'économiste responsable du programme, se décrivait lui-même